La plage de Holkham, autrefois l'une des retraites préférées de la famille royale, est également un lieu de loisirs réputé pour les nudistes. Avec ses kilomètres de sable doré bordant une réserve naturelle, il n'est pas surprenant que la plage de Holkham ait été autrefois une retraite idyllique pour la famille royale. Ils avaient même leur propre cabane de plage, qui a été donnée au père de la reine dans les années 30 par le propriétaire de Holkham Estate, le cinquième comte de Leicester, pendant environ 70 ans, jusqu'à ce qu'elle soit incendiée lors d'un incendie criminel présumé en 2003. Le nord de Norfolk Estate est bien connu dans tout le pays pour sa magnifique plage, c'est l'une des étendues de sable les plus préservées du Royaume-Uni et depuis la baie, les visiteurs peuvent profiter de la vue panoramique sur la vaste crique. Pendant des décennies, la famille royale s'est échappée dans la baie de Holkham, mais ces dernières années, elle est tombée en disgrâce auprès de la famille, notamment en raison de la popularité croissante de la zone naturiste désignée à l'extrémité ouest de celle-ci. Cependant, selon un auteur royal, certains membres de la famille royale n'étaient pas aussi rebutés par la communauté nudiste. Gareth Russell, auteur du nouveau livre de Let's Have Another Drink, The Singular Wit and Double Measures of Queen Elizabeth the Queen Mother, était l'invité de l'épisode de cette semaine du podcast To Defore Daily. L'historien a discuté de son nouveau livre, qui plonge dans les parties amusantes de la vie de la reine-mère à travers 101 vignettes biographiques, une pour chaque année de sa longue et remarquable vie. Une anecdote particulièrement humoristique, que l'animateur du podcast Kinsey Scofield a souligné, a détaillé le moment où la reine-mère, anciennement reine Elizabeth, a découvert la zone nudiste désignée de la plage de Holkham. Monsieur Russell a déclaré, il y avait une plage nudiste près d'un endroit où la reine-mère avait l'habitude d'aller tout, à Norfolk. Sa sécurité lui disait, n'allez pas trop loin sur la plage, c'est une plage nudiste. Et la reine-mère a dit, eh bien, ce n'est pas gênant. Peut-être que les corgis vont leur pincer les fesses. En lisant le livre, Madame Scofield a cité la reine-mère, qui, interrogée par sa sécurité pour savoir si s'aventurer dans la zone nudiste serait embarrassante pour elle, a déclaré, embarrassant, pour qui? J'ai hâte de les voir. Peut-être que les corgis vont leur pincer les fesses. Dans le livre Prince Philip Revealed, l'auteur Ingrid Seward a rappelé Marina Ogilvy, la fille de la princesse Alexandra de Kent, disant que la reine-mère avait souvent des choses drôles et coquines à dire sur les nudistes. Elle a dit que ses cousins royaux utiliseraient des jumelles pour observer les gens. Mais la reine-mère n'était pas la seule royale à s'intéresser à la communauté naturiste. Des années plus tard, Camilla, duchesse de Cornouaille et son amie proche, Dame Judy Dench, ont découvert la partie ouest de la baie. Monsieur Russell a rappelé, et je mentionne dans le livre qu'elle, Dame Judy, nageait là-bas avec Camilla et qu'elles étaient amies depuis des années. Judy Dench et Camilla ont découvert cela, la zone nudiste, des années plus tard, alors qu'elles se trouvaient au même endroit, et elles ont rapidement disparu et ont ensuite été retrouvées en train de parler à ce monsieur complètement nu qui était directeur d'école. Ils avaient une merveilleuse conversation. Dame Judy est l'une des plus proches amies célèbres de la reine consort. Non seulement l'actrice a participé au Reading Room Book Club de la famille royale, mais elle a également rejoint Camilla lors d'un engagement officiel en 2018. Le couple visitait l'ancienne maison de la reine Victoria à Osborne sur l'île de Wight et a été photographié en train de déguster une glace ensemble sur la plage privée du défunt monarque. Dame Judy a récemment pris la défense de la famille royale au milieu des inquiétudes croissantes entourant la prochaine saison de The Crown, qui devrait se concentrer fortement sur la rupture du mariage du roi Charles III et de Diana, la princesse de Galles et l'affaire entre l'alors prince et son amie de longue date Camilla Shand. Dans une lettre au Times,
L'actrice a demandé à Netflix d'insérer une clause de non-responsabilité au début du programme pour dire qu'il s'agissait d'un drame fictif, une décision qui, selon elle, ne serait pas seulement une marque de respect pour le feu la reine Elisabeth II, mais contribuerait également à préserver la réputation du géant du streaming. Cela est venu après que l'ancien Premier ministre John Major a qualifié The Crown de tonneau d'absurdité après qu'il est apparu que le premier épisode de la série à venir comprend une scène fictive dans laquelle Charles fait pression sur Major en 1991 pour tenter de persuader sa mère d'abdiquer. Point. Dame Judy a déclaré que Major n'était pas le seul à penser que l'émission Netflix présentera un récit inexact et blessant de l'histoire. Elle a écrit « Plus le drame se rapproche de notre époque, plus il semble disposé à brouiller librement les frontières entre l'exactitude historique et le sensationnalisme grossier. Le danger, pense-t-elle, est que les téléspectateurs, en particulier ceux d'outre-mer, pourrait considérer sa version de l'histoire comme entièrement vraie. Elle a poursuivi, compte tenu de certaines des suggestions blessantes apparemment contenues dans la nouvelle série, que le roi Charles a comploté pour que sa mère abdique, par exemple, ou a suggéré une fois que la parentalité de sa mère était si déficiente qu'elle aurait peut-être mérité une peine de prison, c'est à la fois cruellement injuste pour les individus et préjudiciable à l'institution qu'ils représentent. Personne ne croit plus que moi à la liberté artistique, mais cela ne peut pas rester incontesté. Bien que cette semaine ait déclaré publiquement que The Crown a toujours été un drame fictif, les créateurs de programmes ont résisté à tous les appels leur demandant de porter une clause de non-responsabilité au début de chaque épisode. L'actrice a conclu, le moment est venu pour Netflix de reconsidérer, pour le bien d'une famille et d'une nation si récemment endeuillées, en signe de respect envers un souverain qui a servi son peuple si consciencieusement pendant 70 ans, et pour préserver leur propre réputation aux yeux de leurs abonnés britanniques. Désormais, la saison 5 de The Crown comportera une clause de non-responsabilité qui rappellera aux téléspectateurs que les événements historiques représentés à l'écran sont dramatisés. Une porte-parole de Netflix a déclaré plus tard, la couronne a toujours été présentée comme un drame basé sur des événements historiques. La cinquième série est une dramatisation fictive, imaginant ce qui aurait pu se passer à huis clos pendant une décennie importante pour la famille royale, une décennie qui a été examinée et bien documentée par des journalistes, des biographes et des historiens.